Les GMJ, il faut y aller parce que c'est là qu'on découvre toute la diversité et la beauté de notre Église, les manières différentes de vivre notre foi dans tous les pays du monde, dans les différentes cultures. C'est vraiment cette rencontre et cette joie communicative qu'on vit au GMJ. Moi, je vous invite à y aller parce que c'est une expérience unique dans la vie. C'est le plus gros rassemblement au monde et c'est quelque chose qui est incroyable. Quand on est en concert au GMJ, c'est un petit peu différent. Chaque groupe, chaque pays vient faire une proposition artistique différente pendant ce grand moment du Festival de la Jeunesse. C'est vraiment une envie de faire découvrir ce que chaque pays fait pour l'annonce de la foi. Et je crois que la grande spécificité des GMJ, c'est que vraiment on est là dans un moment de grand partage. Les gens ne viennent pas spécialement nous voir, mais ils ont envie de découvrir. La miséricorde de Dieu, c'est vraiment le thème que nous propose le pape et le thème de méditation que nous avons eu tout au long de cette année. La miséricorde de Dieu, c'est tout simple, c'est cet amour intrinsèque qu'il a pour chacun de nous. Comment on le chante? Simplement, on le vit. En fait, on l'expérimente, on expérimente cette miséricorde. Et comme le dit la parole de Dieu, soyez miséricordieux comme le Père est miséricordieux. C'est à nous à devenir miséricordieux et que tout ça transparaisse dans ce que l'on dit à travers nos chants. Notre prière, quand on est plus de 2 millions, elle est différente. C'est sûr que c'est pas comme quand on est tout seul dans sa chambre ou quand on est dans notre paroisse. On est porté par la prière des autres, par la joie communicative et par cette envie de célébrer Dieu. Et ça donne de l'espérance pour tout le reste de notre vie, en fait. Ça donne vraiment cette joie et cette pêche dans la prière. Ça nous rebooste et on a envie de chanter. Et ce qui est marrant au GMJ, c'est que partout où on va, dans les rues, dans les métros, ça chante. Et je crois que c'est ça, la belle prière des GMJ. Si on vient au GMJ quand on n'est pas chrétien, je crois que ça peut changer complètement notre regard sur l'Église. Pas l'idée que je me fais de l'Église ou pas l'idée qu'on nous transmet de l'Église à travers les médias ou autres. On découvre que l'Église, elle est jeune, que l'Église, elle est dynamique, elle est belle et qu'on peut voir qu'il y a des jeunes qui sont complètement décomplexés par rapport à leur foi et qui la vivent pleinement en étant le plus authentique et sincère dans leur vie. Les GMG en un mot, pour moi, c'est la rencontre.